La perle du Détroit et ses espaces mythiques ne cessent d'émerveiller leurs visiteurs, mais la magie de Tanger opère également chez les enfants de la ville même. La nouvelle exposition de l'artiste peintre Sophia Lhlou en est un exemple éclatant. Couleurs et lumières de Tanger, c'est le trait d'union des toiles réalisées, un brin de nostalgie de la créatrice native de cette ville et un hommage à la fusion des cultures d'une cité ouverte sur le monde. Rachid Barhoussi, un Boukhlifi, Nisr El Hamdaoui. Beaucoup de lumière, de couleurs et de mouvements envahissent l'étoile de Sophia Lhlou, à l'image de sa ville natale Tanger, rayonnante et en ébullition permanente. Ce retour aux sources est pour Sophia un passage obligé pour ressusciter le passé, une enfance heureuse qui forge l'adulte qu'elle est aujourd'hui. Inspirée de la ville de Tanger, avec ses couleurs, ses lumières, sa mer aux mille reflets, j'ai voulu intégrer le costume de la femme du Nord avec une sensibilité et une nostalgie de mon enfance. Sophia Lhlou a choisi le semi-figuratif pour donner corps à des lieux qui ont bercé son enfance, tel le grand Soko de Tanger. Toujours l'imprégnation, c'est la place du Grand Soko, parce que cette place est une jonction entre deux cultures, la culture occidentale et la culture marocaine. Là, se sont tissés des liens avec un mouvement, avec une gestuelle, à ce moment-là, de femmes de Tanger. Les femmes tangéroises donc sont ici présentes, surtout les femmes qui Jblia, avec sa fauta, avec ses, son expression. À travers ce vernissage, Sophia Lhlou a voulu tisser une fresque qui respire la joie de vivre, la bonne humeur, mais aussi l'enthousiasme, des caractéristiques propres aux habitants de Tanger.